L'objet de ce point de presse, c'est pour présenter le projet Casamance Music Awards, donc qui est un projet de développement culturel, qui doit se tenir du 3 au 10 avril 2021 à Ziguinchor, Kolda, Sédiou et dans, aussi dans toute sa diaspora. Bon, le Casamance Music Awards s'élève à 32 millions. Au fait, Casamance Music Awards, c'est un festival qui va apporter des formations donc, aux différents acteurs culturels, donc aux différents acteurs qui font les métiers de la musique, mais aussi Casamance Music Awards est là pour rebooster, hein, pour relancer la musique casamançaise, hein, dans toute sa diversité. Ouais, donc bon, pour les meilleurs talents et les prix, on invite d'abord, c'est parce que c'est un projet d'acteurs culturels, au premier temps, on invite d'abord tous les artistes, musiciens, originaires de la Casamance, et peut-être même qui ne sont pas originaires, mais qui résident en Casamance au moins un an. Tous ces gens-là donc, sont admis à Casamance Music Awards, donc, qui est venu pour rebooster la créativité, en quelque sorte. On va primer les meilleurs talents de la Casamance et donc les booster leur image, donc booster leur communication à travers le monde entier. Bon, pour l'instant, je pense que pour les inscrits, nous en sommes vers les 150 inscrits artistes, donc des différents métiers de la musique. Mais nous avons les 150, c'est pour 7 prix. Nous avons 7 prix et le 8e prix, c'est un prix honorifique qu'on va décerner certainement aux anciens gloires, hein, donc des métiers de la musique des trois régions respectives de la Casamance. Oui, bon, peut-être la seule difficulté qu'on a, c'est la pandémie, le Covid-19. Bon, à part la pandémie, l'initiative a été saluée par les autorités, donc qui ont vraiment massivement répondu à notre appel et donc qui ont même commencé à nous soutenir.